L'école à Paris, c'est 663 établissements publics qui accueillent près de 136 000 élèves, mais pas seulement. Vous connaissez sûrement la directrice ou le directeur et les professeurs qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale. À Paris, la mairie a décidé que les directeurs devaient se consacrer entièrement au fonctionnement de leur école. 18 millions d'euros sont investis chaque année par la ville pour financer cette mesure. Mais saviez-vous que 15 000 agents de la mairie de Paris participent chaque jour au fonctionnement des écoles parisiennes ? Le gardien ou la gardienne ? Les agents techniques qui entretiennent les locaux ? Les agents spécialisés des écoles maternelles qui assistent les professeurs auprès des enfants et animent des ateliers périscolaires ? Les équipes d'animation qui encadrent la cantine, les ateliers périscolaires, le goûter, l'étude et les centres de loisirs le mercredi et lors des vacances. Les médecins scolaires et les assistants socio-scolaires. Les professeurs de la ville de Paris en classe élémentaire. Ils sont chargés de l'enseignement musical, des arts visuels et de l'éducation physique et sportive. Des cours habituellement pris en charge par les professeurs des écoles. Une spécificité unique à Paris. Cet investissement en faveur de l'école représente 830 millions d'euros par an pour payer les personnels, équiper, entretenir et rénover les établissements et financer des activités et projets pédagogiques. La ville de Paris et ses agents souhaitent une bonne rentrée à tous les petits Parisiens.